Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour un gameplay sur ce jeu magnifique, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers. Sur SSCF quoi, vous connaissez l'abréviation normalement pour les gens qui jouent un minimum au jeu. Alors les amis, j'espère vraiment que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que c'est le feu pour vous, que ça va bien, que votre famille va bien, que ça va bien dans votre vie, etc. La vidéo d'aujourd'hui, elle va être consacrée une nouvelle fois. C'est une vidéo classique quoi, au mode histoire, history mode quoi, si vous préférez en anglais. History mode, moi j'ai pas forcément un très bon accent, mais bon, passons. Comme on peut le voir ici, à ce présent event login bonus. D'ailleurs, j'ai 2-3 jours de retard, je pense, parce que ça fait 3 jours que je me suis plus reconnecté au jeu. Regardez ici, il y a un tout nouveau personnage qui débarque sur le jeu. Si certains d'entre vous ont déjà réussi à le gagner via la step-up, qui à l'heure où je parle, à l'heure où je fais cette vidéo, est active, mais franchement, félicitations à vous, c'est vraiment bien de l'avoir obtenu. Je sais pas du tout si ce personnage est très puissant, s'il est moyen et tout. Je pense du moins qu'il est de la méta actuelle. Enfin vraiment, par rapport à tout ce que je dis dans mes vidéos, faut vraiment prendre souvent par rapport au moment présent, vous voyez. Que je dis méta actuelle peut-être maintenant, mais dans 2-3 mois, ce sera plus le cas. Enfin la méta actuelle du jeu, au début, ça me parlait pas trop ce mot-là. Et je suppose qu'il y a peut-être des gens qui regardent la vidéo qui comprennent pas ce que c'est. Voilà. La méta actuelle du jeu, c'est tout simplement les données actuelles du jeu. Je sais pas trop comment je pourrais expliquer ça. Les méta actuelles, c'est vraiment le niveau de puissance requis pour les personnages dans le jeu. Par exemple, il y a des personnages qui avaient une certaine puissance, qui étaient même les meilleurs. On va prendre Saturne, le dieu du temps. Saturne, God of Time, qui est sorti il y a un an, voire au moins un an, un peu plus. Lui, c'était le meilleur du jeu, et de loin, ça a été le cas pendant quelques mois. Puis maintenant, un an et demi après, quelque chose dans le genre, bah, il est assez loin d'être de la méta actuelle. Il est toujours correct, mais bon, vous voyez? Donc c'est la puissance qui fait qu'un personnage peut être de la méta actuelle. Enfin, bref, je sais pas si j'ai bien défini ce qu'est la méta actuelle. N'hésitez pas à donner des compléments d'explication en commentaire. Commentaire espace libre, donc vous êtes les bienvenus, bien sûr. Alors, on va pas rester sur cet event dungeon bonus pendant 300 ans. On va commencer la vidéo de manière sérieuse. Et pour les gens, vous voyez, qui ont regardé le tout dernier gameplay que j'ai fait sur ce jeu. Donc, entre-temps, j'ai sorti deux vidéos bonus. Des épisodes bonus d'affilée. Je fais pas ça très souvent, mais bon. Voilà, ça arrive de temps en temps, quoi. Épisode bonus sur Minecraft et épisode bonus sur Asphalt 8. Je suppose que vous connaissez Minecraft. Moi, c'est la version PE, Pocket Edition. Peu importe si vous y jouez ou pas, mais Asphalt 8. C'est un peu moins connu, mais bon. Bref. Donc voilà, dans le dernier gameplay dédié à ce jeu-ci, SSCF, on a vu que je suis resté plus de 5 minutes, ce qui est vraiment beaucoup comparé à d'habitude, sur un niveau en history mode, en mode histoire. Et le problème, c'est que mon équipe était presque entièrement d'un type. Je sais plus si c'était physique ou furie. Et il y avait des barrières, c'était des barrières carrées, jaunes, translucides, là. Et genre, ils nous bloquaient, donc en soi les soldats, les adversaires étaient beaucoup plus faibles, on va dire beaucoup moins forts que nous. Mais voilà, on était bloqués, donc on a échoué à ce niveau-là. Je suppose qu'il y a certaines personnes qui regardent la vidéo, qui ont vu cette fête vidéo-là, qui date maintenant d'il y a 3 jours, un truc dans le genre, au minimum 3 jours, voilà. Donc voilà, on a été bloqués. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons reprendre notre revanche, les amis. Pas d'inquiétude, on va totalement dégommer ce niveau. Et par la même occasion, cette vidéo signe la troisième et dernière partie du chapitre 21. Chapitre 21, je le rappelle, est le tout premier chapitre du troisième et dernier volet de l'histoire, quoi, de Saint Seiya. Vraiment Saint Seiya, celui que connaît le plus, quoi, avec nos héros principaux à leur époque, Seiya, Shiryu, Ikki, etc. Donc voilà, c'est vraiment la bataille 7, la nouvelle guerre 7, bataille d'Hadès. Donc voilà, je vous invite à aller voir la dernière vidéo consacrée à ce jeu que j'ai réalisé. Si vous ne l'avez pas encore regardé, le titre, c'est Une nouvelle guerre 7, on sait jamais que ça puisse vous attirer, le titre. Voilà, j'essaye de bien choisir les titres. Bon bref les amis, ça fait déjà peut-être un peu trop de temps que je parle, mais j'aime bien prendre contact avec vous, vous voyez au début de la vidéo. On va se lancer, on va faire les petits trucs au fond début de vidéo, après on filera en mode histoire. Comme d'hab, on va se faire un Athénas Miracle, un petit tirage pour gagner de l'argent quoi, ça fait toujours plaisir. Pour les gens qui ne l'auraient peut-être pas compris, moi, il y a quelqu'un qui me l'a appris il y a pas longtemps. C'est que même si ça coûte la somme de 10 stamina, donc 10 flammes bleues, quoi, ben elles vous sont remboursées après vous allez dans mission. Et si vous faites ça une fois par jour, tous les 24 heures, ben on vous rembourse vos 10 stamina, vos 10 flammes bleues de cosmos.
En plus de ça, on vous donne des points d'expérience, donc il faut faire au moins une par jour, c'est bénéfique pour vous. Non seulement vous gagnez de l'argent ici, mais vous gagnez des points d'expérience. Et voilà, vous ne perdez aucune stamina. Et quand c'est la période x3, je vous conseille d'en faire pour ceux qui veulent vraiment beaucoup plus d'argent sur le jeu. Moi, je fais plus ça parce que j'adore avoir de plus en plus d'argent. Quand c'est la période x3, même si j'en ai pas besoin, quand vous voyez un peu, j'ai plus d'un milliard là. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire votre capital total d'Athena's Coin. Je serais amusé de voir qu'il y ait certaines personnes qui aient plusieurs milliards. Moi, ça fait pas très longtemps que j'ai dépassé le milliard. Je suis pas si fort que ça sur le jeu. Et le mode histoire, vraiment, c'est depuis le début, pour les gens qui l'auraient pas compris. Depuis le début que je le fais avec vous. Sur cette partie-ci, en tout cas. On a tout fait ensemble, les amis. Au moins une fois un niveau ensemble, quoi. Tous les niveaux ensemble qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et je compte terminer avec vous. Donc, en tout, il y a 30 chapitres. Donc, pour vous rassurer, il va encore au moins avoir, je dirais, 60 vidéos avant la fin du mode histoire. Et aussi, en plus, il y a des vidéos hors série et plein de trucs comme ça. Vous voyez, ça dure longtemps, quoi. Ma chaîne n'est pas principalement. N'est pas forcément principalement dédié à ce jeu. Je fais encore des vidéos sur Asphalt 8 et des autres jeux vidéo. Mais bon, pour l'instant, je fais principalement des vidéos sur ce jeu-ci. Vous voyez ici, on a la boutique Cosmic Shop. On a la Cosmic Shop, quoi, qui est réapparue. Elle apparaît juste de temps en temps quand il y a des nouveaux personnages, des nouveaux événements qui arrivent sur le jeu. Et on peut voir qu'il y a certains trucs qui sont assez intéressants. On peut acheter. Surtout les cosmos, moi, qui m'intéressent. Donc ici, il nous faut 80 cosmos pour débloquer ce personnage. Donc on va essayer, en cette fin de vidéo, les amis, pour les moins patients, vous pouvez directement y aller. On va essayer, en cette fin de vidéo, les amis, je disais, de faire une seule et unique multi-invocation sur la step-up dédiée au Mega God Klosuna. Maintenant, les step-up qui ont évolué depuis la dernière mise à jour, et qui sont beaucoup plus rentables qu'avant, presque autant que Zodiac Fest. En tout cas, au niveau des taux de drop, pas au niveau des personnages qu'on peut gagner, parce qu'ils sont un peu moins intéressants quand même. Bref les amis, donc qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre? Ah oui, j'ai plus d'Arena Coin que d'habitude. On va acheter les Cosmos d'Aphrodite. Moi je réfléchis même pas quand j'achète. En même temps, pour être honnête, je m'en fous un peu, mais on a oublié d'acheter ça. Allez les amis, on va faire nos deux invocations gratuites de début de vidéo là. Les Simple Invocations. Comme je le dis parfois, c'est pas très très intéressant de les faire, mais tant que c'est gratuit, je me dis aussi c'est fun pour bien débuter les vidéos. Attention, franchement, je pense qu'on va obtenir un dieu. Eh non, une espèce de petit cristal rouge niveau 2. On a obtenu le niveau 2, attention. Non, je rigole, bien sûr. Et on voit que, en général, à mesure que la méta actuelle change, évolue, on peut voir que la bannière et les personnages qu'elle comprend deviennent peut-être plus intéressantes. Je veux dire, le Lithium Gacha, là, qu'on vient de tenter, gratis. Avant, on pouvait pas du tout gagner les Bronze Saints principales en Godclose RCE. Allez, si vous gagnez Ikki RCE ou Shun RCE, c'est vraiment des bons personnages, quoi. En tout cas, pour l'instant. Voilà, il y a pas mal de personnages assez intéressants. Si vous n'avez vraiment pas beaucoup de personnages, vous venez de débuter le jeu. N'hésitez pas à dépenser des Holy Stones, en faire quelques multi-invocations ici. Parce que voilà, à force de tout le temps attendre les Zodiac Fest, ça prend du temps. Et au tout début du jeu, on gagne très facilement des personnages corrects ici. Enfin, c'est mon avis, en tout cas, si vous n'êtes pas d'accord, d'une quelconque manière avec moi, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Ah ouais, bah tiens. Juste avant d'aller en mode histoire, on va se faire cette petite multi-invocation. On sait à l'avance qu'on n'obtiendra aucun personnage. Mais du moins des fragments de personnages ou des petits trucs de potions intéressantes, voilà. Voilà. Tant que c'est gratuit, on prend. Mais qu'est-ce que je raconte? Moi, c'est pas gratuit du tout, en fait. On vient d'utiliser Multiquet. Non, oubliez ce que je vais dire, les amis. Donc, ok, on va prendre notre revanche maintenant tout de suite. Changer vite fait d'équipe. Aller dans ma box pour écraser le niveau 21-5 qu'on n'avait pas réussi à faire la dernière fois. Si, souvenez-vous, franchement, on avait eu du mal, là. Et soit dit en passant, vous savez, pour les gens qui regardent la vidéo à peu près à un moment où elle est sortie, qu'au début décembre 2020, je dis l'année, on sait jamais que vous regardez plus tard, et ben qu'il y a eu, c'était l'anniversaire de Seiya le 1er décembre, et pendant quelques jours qui ont suivi, on a eu des boîtes spéciales Seiya Birthday qui sont arrivées, et on gagnait des cosmos de personnages Seiya dedans aléatoires. Et voilà, plus le personnage était puissant en moyenne, et moins on avait de chance d'obtenir les cosmos, et en grande quantité en plus. Donc voilà, ici j'ai ce personnage-ci. Ça fait toujours plaisir d'obtenir un personnage, même s'il est un peu trash, malheureusement.
mais j'en ai pas obtenu d'autres. Bref, passons en mode histoire. Regardez, c'est vraiment le pic qu'on avait bloqué. Après ce niveau-ci, il ne restera que 3 niveaux, donc ça va pas prendre trop de temps. La vidéo va pas durer une demi-heure, quoi. La vidéo ne dure pas une demi-heure. Si vous la regardez, elle est déjà sur YouTube, mais on a tendance à parler au futur, nous qui tournons la vidéo. The Fear Clock Burns Again, on avait déjà lu le titre, donc c'est le feu de l'horloge brûle encore, voilà. On s'en fout un peu du résumé des personnages, on va prendre notre revanche maintenant. On avait une équipe, les amis, franchement, qui était vraiment bloquée par rapport à ce niveau-ci, et c'est parce que la plupart de nos personnages étaient de certains types. Vous voyez, le type furie et le type physique, et le type aura, voilà, il y a trois types principaux dans le jeu, donc. Aura, c'est en bleu, vous voyez. Ben, c'est vraiment le petit carré noir en dessous du niveau qui est en haut à droite du carré, là, vous voyez, des personnages. En dessous du niveau, là, on peut voir, il y a un petit carré noir. Quand c'est bleu, ça veut dire ce type aura. Quand c'est vert, c'est des types physiques. Et quand c'est rouge, c'est des types furie. Attendez. Bah. J'ai du mal à croire que la Sorikido est des types furie, pardon. Parce que, voilà, elle m'a pas l'air violente, mais ça n'a rien à voir. Bah écoutez, si on enlève les personnages de mon équipe principale, il y a quand même des personnages corrects, quoi. Écoutez, on va essayer là. On va essayer de prendre des personnages corrects. On va mettre Pavo Mayura. On va mettre Saga Surplice en version Athéna exclamation. Je crois que ce qu'il nous faut, c'est les petites flammes rouges, vous voyez. Si c'est pas ça, franchement, j'ai pas compris là, alors. Donc voilà, on a peut-être pas mis les meilleurs personnages. Mais bon, je pense que ça va aller. Bon, allez, c'est l'heure de la revanche, les amis. J'espère que ça va marcher là, je suis pas un expert dans le jeu, donc c'est possible que j'ai pas encore pris les bons personnages. Ah, il me semble que c'est mieux qu'avant. C'est bon, ça prend plus de 3 heures comme avant. C'était vraiment l'équipe avant qui posait problème, j'avais jamais eu ça. Je l'avais déjà dit à la fin de la dernière vidéo de ce jeu, quoi. Ben voilà, on a pris des personnages qui en soi sont moins forts que les autres d'avant, en moyenne. Mais qui sont plus efficaces sur l'instant même, quand ça dépend vraiment des situations. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de puissance de personnages, type aura, type furie et type physique. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Et les amis, je vais penser à un truc. Des fois, il y a des niveaux, on sera forcé de les faire 2 fois d'affilée. Parce qu'on sait pas savoir à l'avance dans les niveaux si les personnages auront des barrières de type physique ou furie. Et du coup, on sait pas adapter l'équipe à l'avance, quoi. Ce qu'on va faire après, c'est quand même reprendre mon équipe la meilleure. On a plus de chances en moyenne de gagner avec celle-là. Aries Shion. No one will survive this crusade. The saints will be exterminated. Il parlait pas sérieusement, là. Il jouait le méchant pour séduire Hadès. Vous savez, normalement, pour les fans. God of the Sun, Apollo, qui n'a strictement rien à faire là. Mais bon, on s'en fout des cohérences du jeu. Le principal, c'est de s'amuser. The gods are eternal. Do you still want to defy us? Voilà, on est à peu près sûr qu'on va gagner. Gardez-moi ça, comme on est beaucoup plus fort qu'eux. Ben voilà les amis, la revanche est prise. Ben, d'ailleurs, le titre de cette vidéo, c'est la revanche des héros. Donc les héros, quand on pense aux héros dans Senseiya, c'est plutôt nos 5 personnages principaux. Donc Shun, Seiya, Ikki, Yoga et Shiryu. Voilà, ben voilà, c'est aussi des héros, les personnages qu'on utilise, quoi. Même si c'est pas les principaux. Ben voilà, on a gagné, c'est bien, donc encore 3 niveaux à faire, puis on aura terminé ce 21e chapitre. Donc c'est le premier volet, le premier chapitre de la grande bataille d'Hadès, la nouvelle guerre 7. Alors, Tears of Blood, donc l'arme de sang, ça veut littéralement dire ça, le titre. C'est à peu près le moment où on était au tout début de la bataille, dans les premiers épisodes. Et Mu avait compris que Saga, Shura et Kamui ressuscités, ils voulaient pas vraiment faire ce qu'ils faisaient en ce moment même, parce que ils pleuraient des larmes de sang, ça veut dire que c'était contre leur volonté, mais qu'ils devaient un peu tromper Hadès en s'attaquant à ses amis. Voilà, vous connaissez normalement.
Les ennemis ici, pas très très puissants par rapport à nous, on va les écraser. Il y a de nouveaux Chillons, qui était l'ancien grand pop pour les gens qui ne savaient pas, qui a été tué dans le manga en tout cas, par Saga des Gémeaux. Saga des Gémeaux qui en l'occurrence était même plus fort que lui. Alors je ne vais pas prendre, on ne va pas reprendre avant la toute fin du chapitre 21 les amis, ma meilleure équipe, parce que si on a encore les mêmes problèmes avec les barrières, ça va être énervant, le niveau va prendre encore 3 heures, et la vidéo risque de durer trop longtemps, donc pour être sûr, voilà, on va prendre une équipe un peu plus puissante que l'équipe qu'on vient de prendre maintenant en principe, mais qui est beaucoup moins puissante que mon équipe la meilleure quoi. Voilà, ça va quand même faire l'affaire, rassurez-vous. Du moins on l'espère. Mais bon. Ben voilà, et les barrières sont déjà parties, donc c'était vraiment pour être sûr. Ben voilà, j'aurais pu prendre mon meilleure équipe sans problème. Attention, on a quand même le Camus là qui revient. Je sais pas si vous avez remarqué les amis, mais peu importe quel personnage, ils sont presque morts, ou alors carrément qu'ils sont morts et qu'ils ressuscitent. En quelques secondes, ils sont invincibles pendant 2-3 secondes, quelque chose comme ça. Ça arrive avec le Phénix, ils se ressuscite, et simplement avec le Camus quand il se relève et qu'il était pratiquement mort. Voilà, on utilise les 5 attaques combinées, tous les personnages. Dorénavant, je ferai beaucoup plus attention à quel type sont mes personnages. Avant je m'en foutais un peu, mais voilà. Mais cela étant dit, même en faisant très attention, on peut pas savoir à l'avance quels vont être les obstacles, les types de barrières dans les niveaux. Pour ça des fois les amis, vous allez devoir faire un niveau 2-3 fois avant de trouver la bonne combinaison d'équipe quoi. L'idéal c'est d'avoir une équipe méga puissante qui est composée non seulement des meilleurs personnages du jeu, mais des types mixtes, vous voyez. Un personnage Fury, un personnage Aura, plein de trucs comme ça, vous voyez, un peu tous les types mélangés. Perfect, ça fait plaisir. Alors encore deux niveaux, et on aura terminé le 21e chapitre. Et bien sûr, après, comme je vous l'ai dit, on fera la seule et unique multi-invocation que je peux faire en ce moment sur la nouvelle step-up qui est apparue sur le jeu il n'y a pas longtemps, dédiée au personnage Yuna dans Sensei Omega, là, Chevalier de l'Aigle. Elle est en armure divine, si je ne me suis pas trompé, ou une armure qui n'est pas la basique, en tout cas. Allez, on passe direct à la suite. Vraiment, à la fin de la dernière vidéo sur ce jeu, mon objectif c'était de terminer ce 21e chapitre avec vous. Mais voilà, il y a 21-5, il a pris tellement beaucoup de temps à faire quoi. À se faire, on a bloqué pendant 5 minutes que finalement la vidéo aurait duré trop longtemps quoi. Guardian of the Empty Palace. Donc, empty, ce mot-là, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Quand il y a des mots que je ne sais pas en anglais, sachant que je suis pas un expert en anglais sans être mauvais toutefois, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Donc, c'est le gardien. Du palace de je ne sais pas quoi, du palais. Les adversaires niveau 94, rang or basique 5 étoiles, on va les écraser sans problème. C'est vraiment en fait une espèce de pseudo deuxième bataille du sanctuaire. La première c'était la vraie bataille du sanctuaire quoi, avec nos héros qui ont essayé de défier le chevalier d'or, qui ont réussi à vaincre le grand pop à la fin, etc. Vous connaissez normalement pour les fans, du moins. Là, c'est un peu en quelque sorte comme une deuxième bataille du sanctuaire. Même si littéralement ce n'est pas ça, quoi. Ils reviennent dans les maisons du Zodiac. Et des fois, c'est les chevaliers d'or surprise qui affrontent les vrais chevaliers d'or. On va les appeler comme ça. Là, on doit être dans la maison du bélier. Premier chevalier d'or sur leur route. Au début, on était hors temple. Ça fait quelques niveaux qu'on est rentré dedans. Bon, les dernières parties du combat, on va tout exploser. En silence. Enfin, moi, je veux dire que je m'arrêtais de parler. Comme ça, on entend bien les attaques des personnages, vous voyez. Ça fait vraiment plaisir, les petits perfects comme ça. N'hésitez pas, les amis, à me dire en commentaire... Quelle est votre équipe la meilleure, la principale, la plus puissante, comme vous voulez. Et quel est ou même quels sont vos personnages préférés sur le jeu, quoi. Moi, mon personnage préféré, c'est Seiya. C'est Pegasus Godclaw Seiya en version ACE. Personnage qui est déjà sorti il y a 2 ans, mais je le trouve magnifique, quoi. Voilà, je vous le mets à l'écran. Et mon deuxième personnage préféré, c'est God of War Ares. Voilà, je le trouve beau avec l'armure un peu argentée et rouge en même temps. Voilà. Soyez ouverts dans les commentaires. Vous pouvez même me parler des autres mangas, mais tant que ça reste dans le domaine des mangas, voilà, c'est bien.
Commencez pas à me parler de Game of Thrones ou des trucs que je m'en fous, voilà. Voilà. Allez, the last level of this video. Le boss ici, c'est vraiment Saga, surplace en version. Bon, version basique, quoi. Pas en version Athéna Exclamation. Donc, déjà, on est déjà supérieur à lui. Même si on utilise Saga qui est loin d'être. Même si on utilise Saga surplace AE qui est loin d'être un de mes personnages les meilleurs. Voyez ici, niveau 96 avec 5 étoiles. Or, on va l'écraser. The demi-god. Donc, c'est le demi-dieu, si je me trompe pas. Peut-être qu'il parle de Shaka ou je sais pas, non. Là, on arrive déjà au palais des Gémeaux. Donc, celui d'avant qu'on vient de faire, je me suis trompé. C'était pas celui du bélier, sûrement celui du taureau. Ça veut dire qu'on était déjà passé par un autre temple avant. Je m'étais pas trop rendu compte. C'est vraiment ça qui s'est passé. Mais voilà, s'il y a bien un défaut dans ce jeu-là, parmi certains autres, mais je vais juste parler de celui-ci, c'est qu'ils mettent pas à l'avance le type de barrière qu'il va avoir dans les niveaux. Ça, si vous allez sûrement être d'accord avec moi, c'est pas pratique des fois, comme j'en ai parlé avant, par rapport à l'équipe qu'on choisit à l'avance. Donc voilà, tout au long de cette vidéo, j'aurais pas utilisé ma meilleure équipe une seule fois, mais bon, c'est des exceptions, quoi. Du coup, venez pas me dire en commentaire, oui, on a regardé tes personnages de ta box, et on voit qu'il peut avoir une meilleure équipe. Ben voilà, je le sais, les amis. Il y a des fois, il y a des gens comme ça, ils veulent aider les autres à se perfectionner. C'est sympa, mais il y a des fois, ça sert à rien, quoi, parce que les situations exigent le contraire. Voilà, on se comprend. Regardez ici les quelques secondes où il se relève, le Camus, on dirait presque qu'il ressuscite. Et ben il était invincible. Tel un dieu. Gemini Saga surplace, attention. Hein. Gemini Saga. I'll land and attack on you no matter what it takes. Sorry Kido. I have a duty to protect all life. Bah oui, en même temps, c'est la déesse de l'amour et de la guerre en même temps. Elle a le devoir de faire la guerre au nom de l'amour et de la justice, c'est tout simple. Regardez-moi ce beau personnage que j'ai eu la chance de gagner lors de Zodiac Fest. Souris Kido en version OCE. Et voilà, c'est bien, on l'a totalement écrasé. Perfect. Ok, donc les amis, cette vidéo-ci touche vraiment à sa fin. Si jusqu'à maintenant vous l'avez adoré ou du moins bien aimé, apprécié, n'hésitez pas à donner votre opinion dessus en commentaire avec les détails et tout, les trucs comme ça, vous voyez. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un like, comme on dit, ça fait vraiment plaisir. Et si ce jeu vous intéresse, que vous l'ayez ou non, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai fait plus de 130 vidéos dessus. Et vraiment, il y en a encore pas mal d'autres vidéos que je vais faire dessus dans longtemps, parce qu'on est là. Je suis loin d'avoir terminé le jeu, dans le mode histoire, je veux dire. Bon, allez, chose dite, chose due, chose qu'on va faire, quoi. On va faire la multi-invocation sur la step-up. On espère qu'on va avoir de la chance. Prions Jésus. Les amis, maintenant que j'y pense, j'ai raté plusieurs boîtes dédiées à la période de l'anniversaire de Seiya. On en a ouvert quand même 5 ensemble dans la dernière vidéo de ce jeu. Ou c'était il y a 2 vidéos d'ici sur ce jeu, je me souviens plus exactement. Bref, on les avait ouvertes ensemble. Au début, je comptais toutes les accumuler puis ouvrir tout avec vous. Je pensais qu'il allait en avoir 14 ou 15, mais il y en a beaucoup moins que ça. Déjà, on en reçoit plus quotidiennement pour l'instant. Moi, désolé si j'ai bégayé des fois dans cette vidéo. Même si c'était pas beaucoup de fois. Je suis un peu excité des fois quand je tourne les vidéos, mais heureusement, ça arrive beaucoup moins souvent qu'avant. Et quand on est excité, on parle vite et tout ça. Regardez, on a quand même des boîtes qu'on ouvrira dans une prochaine vidéo pour faire durer le suspense, les amis. C'est des boîtes, tout simplement, il y a des pièces d'équipement dedans, voilà. C'est rien de bien fou, mais c'est toujours fun, amusant de les ouvrir, je trouve. Bon, allez, vidéo de 25 minutes. Mais bon, on va quand même faire durer un petit suspense encore. Faire une Queen Gacha Simple Invocation. Gratis, comme ça. Fait passer le temps, comme on peut. Ben voilà, c'est bien. On s'en fout, mais bon. Bon, ça, il me le demande souvent. Je appuie souvent sur le bouton ne pas montrer encore. Il me demande de commenter sur Google Play, vous voyez. Pour donner mon avis sur le jeu, tout simplement. Mais déjà le jeu est disponible sur Google Play depuis 1 an et demi, un truc dans le genre, donc c'est un peu spécial, ils devraient enlever ça. Donc voilà, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, on va pas voir les personnages qu'on peut gagner. Vous voyez juste ça comme un petit bonus de cette vidéo. Allez les amis, comme j'ai dit il y a quelques minutes, prions Jésus.
Du moins de manière symbolique. Allez, on espère gagner un truc. Et on n'obtient rien, d'accord. Voilà, compris ou pas. Voilà, que l'on prie ou pas, le jeu ne va pas être gentil avec nous, quoi. Le jeu ne peut pas nous entendre, contrairement aux humains. Donc voilà, c'est, du moins, ça aurait été fun, cette vidéo, les amis. J'espère vraiment que vous l'auriez bien aimé. N'hésitez pas à me partager ces vidéos sur ce, vos vidéos sur ce jeu si vous en faites. Bien sûr, il faut que je sois en français, sinon je comprends rien, quoi. Nous, on va se dire à la prochaine. C'était Supraworld. Continuez de bien vous porter et de profiter de la vie. Prenez bien soin de vos proches, de votre famille, etc. Nous, on va se dire à la prochaine. Ciao et à plus pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifico. Bye.